Dans les années 2000, au début des années 2000, les rayons de développement personnel, ils étaient comme ça dans les librairies. Il y avait un rayon avec les petits trucs de développement personnel. Et puis cette année, 20 ans après, le rayon est devenu énorme. Et les gens qui travaillent en librairie, au rayon sciences sociales, sciences humaines, philosophie, tout ça, ils disent, on est envahi par ces bouquins-là parce que les gens les veulent. Et une des raisons pour lesquelles les gens ils les veulent, c'est qu'ils veulent moins de sociologie. Moins de philosophie, moins de sciences politiques, parce qu'en fait, disons qu'ils trouvent des solutions plus intéressantes dans des bouquins d'accomplissement personnel que dans des bouquins politiques. Parce que politiquement, on a l'impression qu'on est dans une impasse et que ça marche pas très bien. Donc, on va chercher des réponses qui sont assez individuelles, avec un truc qui est un peu menteur, et c'est la personne que j'ai beaucoup lue sur le développement personnel, qui s'appelle Nicolas Marquis, c'est un sociologue belge qui a travaillé sur les lecteurs de développement personnel et qui a récemment, enfin pas récemment, mais il y a un an ou deux, dans la revue du Crieur, sorti un article sur le développement personnel de langue française, qui a une particularité, c'est que il se présente comme un développement personnel très politique, avec un propos très politique. Comme nos sociétés sont de plus en plus individualistes, les gens sont mis en compétition de plus en plus, et nous en souffrons. Et des fois, il y a des bilans, enfin des constats qu'ils font, qui sont, on a l'impression qu'on est avec des camarades, qu'on fait des constats qui sont assez similaires, mais leurs solutions, elles sont très très tournées vers le changement personnel et puis le travail sur soi, qui est vraiment devenu une grosse, comment on dit, une grande injonction et puis un topos de si tu vas pas bien, peut-être qu'au lieu de blâmer les autres, il faut que tu travailles sur toi-même.